Bienvenue au plan d'eau de l'autre côté des travaux. Et encore une fois, sans barrière, dans les travaux où les enfants traversent. Avec à droite un beau projet, mais bon voilà, c'est accessible aux enfants. Super vue sur le quai avec son petit manège. Source d'eau pour ceux qui ont soif. Au plan d'eau, il y a aussi son parking, des grands parkings, tranquillou, à proximité, vous descendez avec votre vélo, vous prenez ce chemin-là et vous allez à l'expo tout en allant en vélo à Beauvais, tranquillou. Attention les trottinettes électriques, danger sur la gauche. Et oui, un accident s'est vite arrivé, on prend le chemin pour les vélos, très agréable dans le chemin, mais pas la belle vue du plan d'eau. Car les armes les cachent, hein, bien entendu, la majorité du temps, le risque de crevaison aussi sur le chemin en vélo, que l'autre est un peu plus nettoyé, moins de gravillon, donc plus agréable. Attention, là on sort du parc public, on prend le petit pont tranquillou, changement d'air, allez c'est parti. Les gens d'ici me disent, on peut même se faire péter le sandwich sur la route tranquillou si on ne croise pas les Condés. Franchement, en vélo, très agréable. C'est toujours très romantique. On va prendre un petit pont à gauche. Bien, car ici on fait beaucoup de foot. Bon, moi je ne joue pas au foot, peur de me casser la cheville, pour certains sauront pourquoi. Et ce bâtiment là, on a fait un bon projet avec l'IFEP et l'association dont j'en fais partie, l'art d'embellir, nous a permis de rénover avec la mairie, bien entendu, les espaces verts. Longues discussions ont permis à réaliser cette œuvre avec tous les jeunes du quartier et les plus vieux aussi de l'administration qui se sont pointés prendre la photo. Et puis là, quelques-uns ont pris la perche, ont relevé le petit pont de la Grenouillère, magnifique. Et là, on arrive dans la cité de la Sauve-Auban, toujours cool. Les gens sont très souriants, hein, franchement, super bien accueillis. Voilà, je vous laisse découvrir l'exposition extérieure tout en réalisant qu'il y avait un danger sans vouloir, je l'ai vu. Je vous en ferai part tout à l'heure. Mais regardez bien, il descend, il prend un enfant sans barrière, pas de sécurité, il est même pas attaché, rien du tout. Bon, voilà, c'était court, mais c'était dangereux. Allez, maintenant, retour, car on est en retard, les routes sont défoncées, comme d'habitude, on a préféré qu'ils soient rénovés.
Et on a rénové ce bâtiment à gauche, on repart vers le plan d'eau du Canada. Je vous remercie pour tout. Le Canada, c'était en 1800 des promenades pour les chevaux avec les gens de Beauvais. La voiture a remplacé tout ce phénomène poétique qu'on remplace et on revient tranquillement à vélo au même endroit sur ce plan d'eau artificiel créé par l'homme, bien entendu. Et puis les petits chemins comme ça, c'est pas anodin. On revient aux sources plus proches de la nature avec l'intelligence des hommes et ses sens. Et je ramène trop ma science. Allez, ciao ciao, merci Beauvais, j'adore. Allez, le vélo c'est mieux pour aller se promener. N'oubliez pas, mettez-le dans la voiture. Promenez-vous à fond les gamelles. Garez-vous là où c'est possible. Promenez-vous. En vélo, c'est mieux. Regardez à gauche, c'est quand même plus proche du lac, enfin du plan d'eau, de l'eau, alors qu'en vélo, on est loin. Voilà, voilà, et les piétons, c'était le souci, c'est qu'ils se plaignent aussi qu'on prenne la route des piétons, mais c'est pas adapté encore une fois de plus pour les vélos.